par moi. Give a damn about a hater when I feel like it. Je que le bruit est fort. Je que mon bruit. La télé. On va baisser le son sans plus. Alors du coup, on se retrouve sur Dooms 3. J'ai déjà fait ce jeu là, mais c'était pas sur Xbox 360, pas Xbox One, c'était sur Xbox 360. J'avais joué à ça. Un peu longtemps. Je suis un petit peu tous les streamers qu'il y avait. Fait que du coup, message du jour, pas des couilles, campagne, nouvelle partie, 2003, le hasard au chaudeur. L'Union Aérospace Corporation est la plus grande société existante. Son activité est à l'origine concentrée sur l'armement et la défense. Merde. C'est clair que c'est que la recherche biologique, l'exploration spatiale et d'autres projets scientifiques. Grâce à des fonds illimités et à la possibilité de mener des recherches au-delà du cadre des obligations morales et légales, l'UAC a le contrôle obligatoire mental et le contrôle des technologies les plus avancées. Là, j'ai pas de volume dans mon casque, c'est normal que j'ai dit. Parce que sinon, vous attendez un double, c'est pas toujours cool. C'est par entreprise. Mars City. On cherche quelque chose. C'est là-bas. Le gars qui a un lit là, puis qui a un lit. Transport entrant détecté. Éloignement en approche de Mars 070 63, descente sous les 3-8000. Pourquoi vérifier une seconde? Étoile noire, descendez à 2000 vitesse constante. Contact au sol à 26972. Reçu tour de contrôle. Je suis privé éteint, sans vouloir. Les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Excellent. Envoyez-moi directement le conseiller Swan. Oui, chef. Étoile noire à la tour, phase finale. On vous a, étoile noire. Vous êtes OK pour arrimage. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. Je n'ai pas voulu venir ici. Il n'est pas venu. Bienvenue sur Mars. Tous les nouveaux arrivants sont priés de se bienvenue sur Mars. Le premier centre de recherche de l'Union Aérospatiale. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la réception. Non, j'ai juste une PlayStation 3. J'ai une PlayStation 3, mais elle fonctionne plus. Du coup, ça... Ah. Vous me dites c'est quoi ça, alors. Bienvenue sur Mars, Marine. Bon, oui, vous je suis sur Mars. Vous pouvez vous placer sur l'un de ces carrés rouges sur le sol pour un bioscan. Ça te prendra quelques secondes. D'accord, je lance la procédure. Bioscan. La Kodak. Regardez sur ma bite. Je viens juste d'exagérer pour rien. Je sens rien que ça, hop, et ensuite je reviens. Oh, la porte s'ouvre, c'est bon. On peut y aller. On se casse. Bienvenue sur Mars. Première fois. Vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord, nous devons d'abord régler certaines choses. Voici votre assistant numérique personnel. Vous en aurez besoin pour accéder aux zones de sécurité. Si vous obtenez une autorisation d'accès à une zone de sécurité, elle sera téléchargée automatiquement. C'est très important. Ne le perdez pas. Je vois que le sergent Kelly demande à vous voir immédiatement. Rendez-vous directement au QG des Marines. C'est par ici. Suivez les panneaux. Mars City est un complexe non-fumeur. Veuillez ne fumer que dans les zones réservées à cet effet. Merci de votre coopération. D'accord, suivez les panneaux, c'est Tiff. Je suis là parce que nous avons apparemment de graves problèmes. Vraiment ?
Faut-il que je vous rappelle la nature du travail sans précédent que nous effectuons ici? Non. Mais le Conseil m'a autorisé à tout vérifier. Le Conseil vous a autorisé? Le Conseil ne connaît rien à la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec un bon produit. Mais ne vous inquiétez pas, ils l'auront, leur produit. Après combien d'accidents? Dites-moi, docteur Betruger, pourquoi autant d'ouvriers ont la frousse, se plaignent et demandent leur transfert pour quitter Mars? Ils ne supportent pas la vie ici. Ils sont épuisés par la surcharge de travail. Si j'avais une équipe plus grande, plus compétente et un budget plus important, même ces petits accidents auraient pu être évités. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que mon rapport soit entre les mains du Conseil. J'aurai toutes les autorisations, docteur Betruger, y compris au complexe Delta. Cela ne me posera aucune difficulté. Seulement si vous fichez le camp, Swan. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Allons-y. Bon, du coup, le patron prépare un truc. Voilà. Non. Ah, j'ai vu le pincard. Non, mais il n'y a pas de pincard nulle part. Excusez-moi. Oh, les chiottes. Pour partir à bonne place, je suis parti vers les chiottes. Ouais, et moi aussi, je les ai vus arriver. J'ai pas voir tout ce que ça sort, mais bon, je l'ai activé. Attention, le docteur Braddick est prié de se présenter au bureau de gestion de l'environnement 4 Alpha. Possible au sergent Kelly au poste de commandement. Et si la direction scientifique... D'accord, j'ai beaucoup trop compris, mais bon. J'ai rien compris, Allez, parle au lieu. Oh, la rouvre. C'est là, non, c'est là peut-être, non plus. Non. Ici, non. Bienvenue dans l'unité, on se voit plus tard. D'accord, mais moi je cherche où aller. Ne perdez pas de temps, allez voir le sergent. Je parle. Je sais même pas si je suis parti du bon bord, là. Je cherche. Je cherche la vie. Où devrais-je aller? Serais-je par ici? Ah bah oui. On a pris son temps, soldat. Voilà où nous en sommes. Un autre membre de l'équipe scientifique est porté disparu. Puisque vous êtes le bleu ici, c'est à vous de le retrouver. Je veux que vous alliez fouiller l'ancien complexe de communication. On a de bonnes raisons de penser qu'il va par là. Le seul moyen de s'y rendre est d'emprunter le passage de service sous Mars City. J'ai programmé cette sentinelle pour vous guider vers l'ascenseur de maintenance. J'espère que vous suivrez la sentinelle mieux que vous n'avez suivi les ordres jusqu'à présent. Vous pourrez trouver de l'équipement au point de contrôle de sécurité au pied de l'ascenseur. Oh, et lorsque vous le trouverez, contentez-vous de le ramener ici. Ne lui faites pas de mal. Filez maintenant. D'accord, mais j'ai pas grand gros compris. Tout, il faut que je suive. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre ma console. T'inquiète, je l'éteindrai pas la console. Faut que je te suive, toi. À tout le personnel, bon, à l'âge, vous voulez gagner davantage de crédits, portez-vous volontaire au laboratoire de Delta dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez votre directeur de service. Et pour d'autres trucs intéressants, vous les écouterez. C'est les chiottes. Vous pouvez apporter des chiottes. Lol. Et si vous voulez savoir d'autres trucs inintéressants, vous voulez me consulter. Profitez de nos services de soins médicaux de qualité. Ah non, je sais quelque chose, sorry. Localiser l'entrée de service. Qu'est-ce que
trois chiffres. Attends, c'est comment faire de quoi? Non, ça marche pas. En version, mais. Ah! Ah ouais, c'est plus de bon sens dans moi. Moi qui m'entêtais. Oh! Voilà. Mars City sous-sol. D'accord. Aerospace. On va mettre le casque. Fait qu'on va entendre plus. Voilà. Sous-système, you know. On va se placer correctement là parce que là, je suis pas bien placé. Déjà là. Bienvenue au donjon, Moraine. L'endroit le plus sinistre sur Mars. Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Ok, prenez votre équipement. Maintenant, vous êtes prêt au combat. Laissez-moi faire un test radio. Wow. Mars 5, vérification. Excellent. Bon signal. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller y gambader, non? Ok, vous êtes parés. Ah oui, souvenez-vous, il y a des civils qui travaillent là-bas. Alors ne vous excitez pas et évitez de tirer dessus. D'accord. Le gars qui coûte à rien, tu sais. J'ai rien écouté. Oh. Hey. Écoute, bonhomme, tu fais ça vite quoi? Hop. Oh, j'ai pas. Comment ça? À la maintenance, mais. Hein? Déjà, ça commence bien, il n'y a plus d'électricité. Hop, 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 et voilà, et voilà. C'est pour le nouveau qui devait aller à l'ancien centre de communication. Non. Oh, mais je l'ai tué, quoi, comme je suis. Genre, il me pose la question, je voulais pas, on tire une balle. What the fuck? Allez, par là. Voilà. Ouvre la porte. Allez. Merci. Marine, c'est le sergent Kelly. Il va falloir vous manier là-dedans. Fouillez votre zone et ramenez vos fesses à Mars City. Terminé. Je suis là. Faut que j'aille là. Bon, mais du coup, je suis aussi collègue. Atteignez les vieux bâtiments. Mais c'est moi le temps. Hein? Non! S'il vous plaît, vous devez me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas laisser seul. Vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas comprendre ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Je reçois des relevés anormaux. Il y a un problème. Impossible de garder le contrôle. C'est moyen de se téléporter. Seigneur, aidez-nous. On a trahi. Dans l'enfoiré. Ouais. What the fuck? Vite, on s'en va. Non, je suis bon, on va voir tout. Non plus. Il y a eu la porte, c'est taqué là. Mais... Bon sang, regardez! Il nous encercle! Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. Mais voilà. Mais... Hey, mais...
plus leur vétéran, moi, le point sur le droit. Moi qui bute tout le monde. Voilà. On se regarde en coin, on n'est pas... Sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Repliez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. Retour au point de départ. Je répète, repliez-vous au QG des Marines et attendez. Où êtes-vous? Ah, je vois plus rien. Ok, j'ai réussi. Attention, Marine. Revenez à la base. Nous partons d'ici. Non, j'ai pas pensé, hein. Quand je vais être dans la merde. C'est-à-dire que ça... déroule. L'ennemi en veille de niveau 1. Allez, allez. Au rapport. Terminé. Go, 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 go. Équipe Bravo au poste de commandement. Nous avons un mort et deux blessés. Terminé. Équipe Fire 4 au poste de commandement. Ils sont activés dans les laboratoires Alpha. Équipe Fire 2 au poste de commandement. Système d'alimentation principaux HS dans les niveaux intérieurs. Système auxiliaire et assistance médicale OK. Wow. Coup de perte civile. C'est un vrai merdier. So. Poste de commandement. On tente une zone de sécurité. Je fais pas tout, oui. Oh, recharge plus vite, plus vite, plus vite. Merci. Éclaireur 2 à QG. Nous sécurisons les positions avancées dans Alpha et vous avertissons quand elles sont dégagées. Terminé. D'accord, c'est bon. Merde. Dans les murs. Et putain, lâche-moi. Oh merde. Vaille. Attends, jouer en vétéran, c'est pas non plus la meilleure affaire parce que je suis pas professionnel. Marine, alors je suis dans ces deux-là. L'Union Aérospatiale Corporation est la plus grande société. Je joue avant, mais sinon, si je choisis comme ça, ben, vas-y, exprès, j'ai pris ça aussi, tu vois, donc après, au hasard. Donc, je sais pas du tout ce que j'ai pris. Exploration spatiale et d'autres projets scientifiques. Grâce à l'unité illimité et à la possibilité de mener des recherches au-delà du cadre des obligations morales et légales, l'UAC a le contrôle des technologies les plus avancées. Merde. Merde. Ouvrez la clémentine pendant que tu as des conversations qu'on a déjà entendu 1500 fois. L'autre qui joue un vétéran, c'est pas non plus la bonne affaire jouer un vétéran là. Hop. Transport entrant détecté. Transport bas les couilles détecté. Je sais pas ce qu'il peut. Étoile noire en approche de Mars 07063, descente sous les 3-8000. Étoile noire, descendez à 2000 vitesse constante. Contact au sol à 26972. Reçu, tour de contrôle. Nous les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Excellent. Envoyez-moi directement le conseiller Swan. Oui, chef. Étoile noire à la tour, phase finale. On vous a, étoile noire. Vous êtes OK pour arrimage. Je n'arrive pas à croire comment je vais arriver là. Je n'ai pas voulu venir ici. Il ne vous a pas laissé le choix. Oui, mais c'est la dernière fois. J'en ai assez de réparer les dégâts à chaque fois qu'il fait tout foirer. Ok, vous avez les choses en main. En cas d'échec, c'est moi qui prends. Dans ces conditions, Maître Auger va devoir faire les choses à notre manière. Comme vous voudrez, conseiller.
Bienvenue sur Mars. Bienvenue à Mars City, le premier centre de recherche de l'Union Aérospatiale. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la recherche. Vous allez vous placer sur l'un de ces carrés rouges sur le sol pour un bioscan. Ça ne prendrait qu'une seconde. D'accord, je lance la procédure. Évitez de bouger, on ralentit la procédure. Parfait, c'est bon pour le bioscan. Vous pouvez entrer. Ok, là, je me suis même pas mis dedans. Bienvenue sur Mars. Première fois ? Vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord, nous devons d'abord régler certaines choses. Voici votre assistant numérique personnel. Vous en aurez besoin pour accéder aux zones de sécurité. Si vous obtenez une autorisation d'accès à une zone de sécurité, elle sera téléchargée automatiquement. C'est très important. Ne le perdez pas. Je vois que le sergent Kelly demande à vous voir immédiatement. Rendez-vous directement au QG des Marines. C'est par ici. Suivez les panneaux. D'accord. Mars City est un complexe non-fumeur. Veuillez ne fumer que dans les zones réservées à cet effet. Parce que nous avons apparemment. Merci de votre coopération. Vraiment ? Faut-il que je vous rappelle la nature du travail sans précédent que nous effectuons ici ? Non. Mais le Conseil m'a autorisé à tout vérifier. Le Conseil vous a autorisé ? Le Conseil ne connaît rien à la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec un bon produit. Mais ne vous inquiétez pas. Ils l'auront, leur produit. Après combien d'accidents ? Dites-moi, docteur Betruger, pourquoi autant d'ouvriers ont la frousse, se plaignent et demandent leur transfert pour quitter Mars ? Ils ne supportent pas la vie ici. Ils sont épuisés par la surcharge de travail. Si j'avais une équipe plus grande, plus compétente et un budget plus important, même ces petits accidents auraient pu être évités. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que mon rapport soit entre les mains du Conseil. J'aurai toutes les autorisations, docteur Betruger, y compris au complexe Delta. Cela ne me posera aucune difficulté. Seulement si vous fichez le camp, Swan. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Allons-y. D'accord, c'est bon. J'ai écouté en même temps, fait que je reprends leur petite conversation. En fait, le gars il dit que il fasse pas ce qu'il fait, ce qu'il dirige, ça va mal, c'est pour ça. C'est vrai qu'à fait, c'est pas bon endroit. Un matin. Télécharge. Attends. Voilà. Le docteur Braddick est prié de se présenter au bureau de gestion de l'environnement 4. Le gars il va vite. Oh, yo! Marine. Soldat. Non, voilà où nous sommes. Que je pouvais. Un autre membre de l'équipe scientifique est porté disparu. Puisque vous êtes le bleu ici, c'est à vous de le retrouver. Je veux que vous alliez fouiller l'ancien complexe de communication. On a de bonnes raisons de penser qu'il va par là. Le seul moyen de s'y rendre est d'emprunter le passage de service sous Mars City. J'ai programmé cette sentinelle pour vous guider vers l'ascenseur de maintenance. J'espère que vous suivrez la sentinelle mieux que vous n'avez suivi les ordres jusqu'à présent. Vous pourrez trouver de l'équipement au point de contrôle de sécurité au pied de l'ascenseur. Oh, et lorsque vous le trouverez, contentez-vous de le ramener ici. Ne lui faites pas de mal. Filez maintenant. D'accord. Je suis déjà où aller. Oh putain. Bon, il faut que j'aille une sauvegarde en plein. À tout le personnel de l'UAC, vous voulez gagner davantage de crédits ? Portez-vous volontaire au laboratoire de Delta dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez notre directeur de service. Mais je bouge pas le fiac. Il devrait plus vite que tout, moi. Hop. Mais, L'UAC se préoccupe de la qualité de vie de ses employés. Profitez de nos services de soins médicaux de qualité. Par là. Et voilà. Et voilà. Je sais déjà quoi foutre. J'aime ça. Et voilà. Je sais te rire et j'ai fait ta bouche chelou en même temps. Cool la vie. Se regarde encore, ne pas éteindre la console. Mais. Voilà.
Bienvenue au donjon, Murray. Non, on est qui map, ferme ta gueule. Allez. Allez, je vais battre des monstres. Prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Allez, bouge-toi. Ok, prenez votre équipement. Merci. Maintenant, vous êtes prêts au combat. Laissez-moi faire un test radio. Mars 5, vérification. Excellent. Bon signal. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller y gambader, non? Ok, vous êtes parés. Ah oui, souvenez-vous, il y a des civils qui travaillent là-bas. Alors ne vous excitez pas. T'inquiète, je le sais parce qu'ils sont deux jeunes, tu vois. Puis il est devenu un monstre. Hey. Du coup de bonhomme. Coup de bonhomme, moi j'écoute pas. Bon, je suis un bonhomme. À la maintenance, vous n'êtes pas capable de faire tourner ces machines? Ouais, monsieur, c'est juste que l'équipe scientifique exige beaucoup de ces trucs-là. Arrêtez les excuses et contentez-vous de faire ce que vous demande l'équipe scientifique. D'accord. Bon sang. Oh, ça vous prend souvent de ficher la trouille aux gens? Tout le monde est déjà... Le pauvre con comme toi. Juste check quelque chose. Le gars il ferme sa lumière direct. Ferme ta gueule. Que pressé. J'appuie des balles. Que pressé. Ouais, vous. Ok. 3-0, pareil. 0.13. Bon, allez, couilles. 0. Marine, c'est le sergent Kelly. Il va falloir vous manier là-dedans. Fouillez votre zone et ramenez vos fesses à Mars City. Terminé. Oui. Oh, hélicoptère, hélicoptère. Hein? Non. Oh non. Vous devez me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas laisser ce... Vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Ah. Je reçois des relevés anormaux! Il y a un problème! Impossible de garder le contrôle aussi long! Seigneur! C'est où t'as retenu dans moi? Regardez. Ouais, t'es possédé toi. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. C'est ta mère. Okay. Sergent Kelly, toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Repliez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. Non. Je répète, repliez-vous au QG des Marines. Ouais. L'ennemi envahit les Marines. Chef d'escouade, au rapport. Allez. Voilà. Bravo au poste de commandement. Nous avons un mort et deux blessés. Terminé. Bravo. Équipe Fire 4 au poste de commandement. Nous sommes acculés dans les laboratoires Alpha. Équipe Fire 2 au poste de commandement. Système d'alimentation principaux HL dans les niveaux inférieurs. Système auxiliaire et assistance médicale, ok. Beaucoup de pertes civiles. Bah ouais, ça va bien. Poste de commandement, on tente une zone de sécurité. Hop. Je suis encore de toi. Putain, j'ai tiré un coup, puis c'est mieux que moi. Vous avancez dans Alpha et vous avertissez quand elles sont dégagées. Terminé.
après. Voilà, je tombe, je tombe. Où est l'échelle, y'a pas une échelle, quelque part. Nous avons un code rouge. Ok, y'en a une. Dégage, j'ai la porte dans le secteur 2. Poste de commandement à toutes les unités. Revenez au quartier général des Marines et attendez les ordres. Quel point il se fait? Oui, il y a un moi, oui, il y a deux, hein. On y va. Et voilà, tu fais des fois. Et toi, première main, l'autre, tu m'en veux l'autre. Voilà. Il possède tout le monde. Attention, Marine. Revenez à la base. Nous partons d'ici. Moi, me laisse ta main. Tout va beau. Cherchons un PDH. Puis-je le voir. Voilà. Wow. L'ennemi envahit le niveau 1. Mythoman. Je suis mythoman. Voilà, j'ai pas. Suivez, nous sommes attaqués par l'ennemi. Mais je suis juste certain qu'il m'attaque pour toi, Mikio. What the fuck? What the fuck? Putain, ça va, bouge. Un bas des coms, ok, un bas des coms, suicide, ok. Je sais pas pourquoi. Mon arme. Putain, le démon. Éclaireur 2 à juger. Sécurisons les positions avancées dans Alpha et vous avertissons quand elles sont dégagées. Terminé. Voilà. Merde, ils sont dans les murs. Je vais voir. Nous avons un code rouge. Non. Là c'est court et vite. Là pourquoi j'ai gardé mon dos? J'ai pas envie d'aller voir quelque chose quand même. Oh putain, je suis pas. Oh yes, ok. Il y en a un deuxième. Mito. Il est tout... Nous sommes submergés. Et lâchez-moi dans... putain, ça va aller partout. Bouge par là. Nous sommes attaqués par là. Par là. Je vais pas attaquer, merci. Je vais attaquer des dégâts derrière toute ma vie. Pourquoi moi? Oh non, je sais ce que je vais recommencer. Non, on va pas recommencer là. Sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Reviez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. Non, 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 non,
RF2. Je répète, repliez vos sujets des Marines et attendez les ordres. Putain, je fais tout un bug dans le jeu. Attends. Je vais laisser le temps de la lampe torche se recharger. On y va. Chef d'escouade, au rapport. Terminé. Équipe Bravo au poste de commandement. Nous avons un mort et deux blessés. Terminé. Équipe Fire 4 au poste de commandement. Nous sommes acculés dans les laboratoires Alpha. Équipe Fire 2 au poste de commandement. Système d'alimentation principaux HS dans les niveaux inférieurs. Système auxiliaire et assistance médicale, ok. Beaucoup de pertes civiles. Salut. C'est un vrai merdier. Salut, connard. Poste de commandement, on tente nos hommes de sécurité. Je suis un mytho. Hop. Mais putain, ils vont pas me lancer un jour, les autres. Dang, bang, dang, dang. Ils ont les positions avancées dans Alpha et vous avertissons quand elles sont dégagées. Voilà. Merde. Je t'ai vu, j'avais quitté le commandement à tous les unités. Deux balles. 3, 4. Oh, de vrai. C'est un rabais, c'est un rabais, ça. Boum, boum. Boum, boum. Je suis deux, mon gars. Attention, Marine. Rejoins la base. Partons d'ici. Voilà. Des balles de plus. Là, on va se regarder parce que là, j'ai pas envie de recommencer à l'autre bout du siècle. Voilà. Oh, oui, c'est vrai. Oh putain. Toc, 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 toc. C'est dur à résumer pas. Ah oui, ça peut avoir sens. Ah. 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 L'ennemi envahit le niveau 1. Regardez ça. Il est pas tombé. C'est un mytho. Nous sommes attaqués par l'ennemi. Qu'est-ce que je fais à ton corps? C'est d'arriver. Faites sortir tout le monde. Tout de suite. Les tueurs semblent loin. Ils sont quand elles sont dégagées. Terminé. Pas de bâton de devis. Hein. Là, là. Je suis dans les murs. Code rouge. Nous parlons en code rouge. Je reste là, c'est bon. Salut. 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 Salut.
Oh. Je pense qu'on va se regarder et il va aller casser la croûte et je reviens. Oh, ils sont été... Oh putain. Le plus récent c'est celui-là. Alors du coup ma lumière elle me gauche. Les fils de peuple, là ils se pensent pas tellement bien. D'accord, on va les couler. Ah, attends, je peux vérifier avant. Vérifier. Où vous êtes? 3 regards, 3 à regarder. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, faites sortir tout le monde! Tout de suite! Bon, tout de suite! Mito. Mito, 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 Mito. Et voilà! Mais lâchez-moi! Bande de cons! Oh, t'as une misère. Oh, t'as une misère, ça c'est clair. Il y a des difficultés à monter de level. Peut-être bon même de monter. Paramètre. Oh, attends, je pense que j'ai un téléphone de quelqu'un. Submergé. Moi je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Nous sommes attaqués par l'ennemi. Recharge. Mais de quoi? Non, moi. 252 heures plus tard, toujours en train d'essayer de battre l'ennemi. C'est moi, c'est Zéro qui est en train de battre l'ennemi. Repose en paix. Roger. Le chat submergé. Je m'en bats les couilles. Voilà, voilà, et vous. Voilà. Doux. Bon, bon. Mais il m'a touché dessus comme un chien sauvage. Lui ne fait pas ouf ouf, mais pourtant il me saute dessus comme un chien sauvage. Première installation, partie multi-usage, le niveau inférieur. Le Mars City abrite des systèmes de stockage et de gestion. Je m'en bats les couilles et je monte mon fiac. Nous sommes submergés! Oh là, je vois pas vite d'aller sortir. Mais voilà! Help me! On va découvrir! Ouais! Putain, côté de moi! Et moi, j'en vais plus! Du coup, ils se font ville! Je vais arrêter ça ici parce que là, je comprends plus rien! Je vais recommencer quand j'ai mieux compris! Et je vous dis ciao!